Je vais emmener le Dreadnought Cuirassé Premium britannique de tier 3 en bataille. Donc c'est parti, bataille en solo. Quatre tiers 3 chez nous et aussi 4 tiers 3 chez eux. C'est parti. Alors il y a trois bases à prendre. On a trois destroyers aussi, ils en ont trois. On a un croiseur et quatre cuirassés. Et pareil chez eux. Bon, moi je vais me rabattre vers le centre de l'équipe là pour être protégé des attaques de destroyers éventuelles. Alors, où est-ce qu'ils vont nous destroyer à nous? B, est-ce qu'ils vont sur B? Sur A? Sur les deux? Clemson, là, où est-ce qu'il va? B, C? On ne sait pas trop. L'équipe va plutôt sur la gauche. Ah, il y a un adversaire qui prend la A. Nous, on prend la B. Ah, un Derski qui va peut-être nous gêner là. Hein. Un peu loin. Bon, je suis resté en HE pour traiter les destroyers. Comme il y en a quand même trois. Il se replie, lui. Bon, j'ai rien à portée de tir là. Un isocasé là derrière l'île. Il a continué à avancer. On a un ouais taquet à nous qui se replie là. Ah, sauf Carolina. Ah bah voilà, lui, il doit être à portée. On va essayer. C'est un peu loin. Allez, combien il en prend là? Eh, pas mal. Enfin, pas mal. Trois obus, un incendie. Bof. Alors, du côté de la base A. Ils ont l'air de l'abandonner, là. Qu'est-ce que j'aurais apporté? Ils ont casé. Il est un peu loin, on va essayer. Trois obus, oui, c'est pas trop mal. Alors, sauf Carolina. On a un destroyer qui reprend la bazar. Allez. C'est parti. Sept obus et un incendie. Pas mal. Ah, il est aux prises avec notre Wyoming, il fait pas attention à moi. Non, l'artillerie secondaire, il est trop loin. Ah, il va prendre des torpilles. Et c'est moi qui l'ai eu. J'ai mis 6 obus. Ils ont casé. On va essayer. Oh, il se bloque contre l'île. J'ai tiré trop sur l'avant là. Dommage. Que 4 obus. Oh, il a échappé aux torpilles. Ah ben voilà, je l'ai eu. L'ennemi mène toujours au score. Kawashi, là, qui va sortir du rocher. Six obus, un incendie qu'il a éteint.
hop. Trois incendies avec quatre obus, on va dire. Il brûle toujours. Cet obus. On le tire dessus, ça fait pas beaucoup de dégâts. Là, c'est complètement raté, il a raté son tir. Allez, il faudra le finir. Deux incendies. Décidément, il met bien le feu. Hein. C'est bon à savoir. Bon, je suis passé en AP là pour le finir. Est-ce que je vais l'avoir? Allez, allez, allez. Peu. Un seul obus pour le finir. Et on repasse au top, au score. Bon, on est bien parti pour gagner là. Étoile de bataille. 544 à 467. Alors, j'ai fait 3 médailles. Première frappe. Forteresse de fer. Et évidemment, étoile de bataille qu'on a déjà vue. Alors, 50 coups de canon principaux. 3 navires détruits. 8 incendies provoqués. Et on a fait 34 plus 16, 50 000 de dégâts. Ce qui est pas mal pour un tiers 3. Voilà, donc bah, je suis largement en tête. 50, 14, 10, 11 chez nous. 24, 15, 15. Ouais, donc c'est moi qui ai fait le score. Bah tiens, je vais doubler le score d'ailleurs. Voilà. Hop. Eh bien, le Dragnoth est vraiment un bon tier 3. Hein. Je ne regrette pas d'avoir dépensé quelques euros pour avoir ce cuirassé britannique. À bientôt pour d'autres vidéos.